Quelle superbe journée pour jouer au ballon. Oh, le docteur Spooky s'ennuie et ce n'est jamais bon signe. Oui, on dirait qu'il vient d'avoir une idée. Et il se dirige vers le parc. Mais qu'est-ce que... Mais qui c'est ça? Ah bon, d'accord. Si tu veux faire quelques passes... Hé, hey, dis donc, maintenant tu dois la passer à quelqu'un d'autre. Oh, alors c'était ça ton plan, docteur Spooky. Que tu es méchant. Mince alors, on n'a plus de ballon. Tu as une idée? Mais oui, bien sûr, l'équipe Super Zoro peut nous aider. Kit, tu peux nous dire où est le ballon? Il est là. On doit le récupérer et le rendre aux enfants. Aux capsules de transformation. Cathy. Monkey. Kangoo. Voilà les méchants avec le ballon. Oh, mais ils sont de l'autre côté de la route et il y a énormément de voitures. Il y a forcément une solution. Qu'est-ce que tu proposes, Kangoo? Un feu de circulation et un passage piéton. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Eh oh, où vous allez comme ça? Vous êtes des super-héros, mais aussi des citoyens responsables. Le feu est rouge. Écoutez bien, Cathy. Quand le feu est rouge, ça veut dire qu'on ne peut pas traverser. Quand il est vert, on peut traverser la route sans danger, d'accord? Maintenant, il est vert. Vous pouvez traverser après avoir vérifié qu'il n'y a pas de voiture. Allez-y! Je ne savais pas que le docteur Spooky courait aussi vite. Mince alors, les Spookers sont forts en football. Docteur Spooky, je te trouve médiocre en méchant, mais tu crois vraiment que c'est une bonne idée de s'appuyer là-dessus? Je t'avais prévenu!
Équipe Super Zoro, c'est peut-être le moment de récupérer le ballon. Chut, Monkey, il faut rester prudent. Débrouillez-vous maintenant. L'équipe Super Zoro a encore gagné. Waouh, elle a l'air super bonne cette pomme, Cathy. Cathy, tu viens de perdre une dent. Tu es radieuse. Grand-mère Granny, Kit, venez voir ça. Pourquoi vous êtes si content? On dirait que grand-mère Granny a une histoire à nous raconter. Il était une fois un petit garçon qui avait perdu une dent. Il la glissa sous son oreiller très soigneusement. Il dormit toute la nuit paisiblement. Et dans son sommeil, une fée vint chercher sa dent et lui laissa un présent. J'ai compris, Cathy. Si tu déposes ta dent sous ton oreiller, la fée des dents viendra te laisser un cadeau ce soir. C'est génial! Allez, Cathy, allons chercher les autres pour le leur raconter. Regardez la dent de Cathy! Que lui apportera la fée des dents, à votre avis? C'est super chouette, pas vrai? Mais qu'est-ce que... On nous a volé la dent. Ça, par exemple. Bah voyons, ça ne pouvait être que le docteur Spooky. Ne t'inquiète pas, Cathy. On va récupérer ce qui nous appartient. Kit, dis-nous où est la dent. On y va! Voilà la dent. Il faut aller la récupérer à la base du docteur Spooky. Aux capsules de transformation. Cathy. Monkey. Kangou. Vous voilà. Et voilà l'équipe Super Zoro. Tu as intérêt à leur rendre la dent. Maintenant, récupérons-la. Arrêtez de jouer. Il nous faut cette dent. Maintenant. Attention. Non, espèce d'égoïste, docteur Spooky. Oh, dites donc, cette dent aime vraiment voyager. Pardon, monsieur l'oiseau. Désolé, mesdames les abeilles. Oups, excusez-nous, vous aussi, messieurs les arbres. Pardon, petite taupe. C'est une blague. Cette dent a vraiment fait beaucoup de chemin. Que tu es méchant, docteur Spooky.
Je crois qu'on ne pourra pas la récupérer. Quoi? Kangou a une idée. Bien pensé, Kangou. Avec ces loupes, aucun détail ne nous échappera. Le gang des détectives au complet. On trouvera cette dent. Au travail! On dirait qu'ils n'ont rien trouvé par ici. Voyons voir si Kangou a plus de chance. Berk! On dirait que Spooky adore jeter des choses par ici. Une minute. Cette taupe sait peut-être où est la dent. Dites, Madame la taupe, vous pourriez nous faciliter la tâche. On dirait que quelqu'un est allé chez le dentiste. Merci beaucoup, Madame la taupe. C'est ça, Cathy. Pour que la fée des dents t'apporte un cadeau, tu dois poser la dent sous ton oreiller. Et maintenant, au dodo. Bonjour. Cathy, regarde sous ton oreiller. Je crois que quelqu'un est passé par là cette nuit. Oh, mais oui. Hé, la fée t'a rendu visite. L'équipe Super Zoo est toujours vainqueur. Quelle belle journée! Les fleurs admirent gaiement le soleil et de superbes papillons se posent sur elles. Quoi? Une minute? Pourquoi tout devient soudain gris? D'où vient toute cette fumée? Ah! Regarde en haut, petit papillon! Tout est pollué! Voici nos amis de l'équipe Super Zoo. Ah ah! Je m'en doutais. C'est bien l'œuvre du méchant Dr. Spooky. Il est là, ce vilain bonhomme. Allez, on descend au laboratoire. Il faut trouver une solution. Kit, voyons ce que propose ton super ordinateur. Je crois que je vois où tu veux en venir. Il faut boucher le pot d'échappement du vaisseau.
C'est comme ça que le nuage de fumée disparaîtra. Quelle super idée! Aux capsules de transformation. Monkey. Cathy. Une minute. Vous devez vous protéger. La pollution ne vous atteindra pas dans cette bulle. Ça y est. Équipe Super Zoom. Ah ah. Voici le vaisseau du Dr. Spooky. Il a même des pop-corn pour observer son horrible spectacle. Attrapez-le. Oh oh, le Dr. Spooky libère ses mignons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Cathy? Jeter les pièces en bois sur les mignons? Quelle bonne idée! Oui, on l'a réussi! Récapitulons. Il faut boucher le pot d'échappement avec une des pièces de bois. Parfait. Monkey lance Cathy vers le vaisseau du Dr. Spooky. Et Cathy atterrit après un superbe lancer pile sur le pot d'échappement. Mission accomplie. Ah ah, Dr. Spooky. T'as les prix qu'il croyait prendre. Bon vent, vilain monsieur. Mais il reste encore un petit détail. Allez, Granny, utilise ta magie. Les bulles magiques de grand-mère Granny dissolvent la pollution. C'est féerique. La nature est de nouveau pleine de vie, comme elle doit être. Fais-nous une bulle géante, Monkey. À la prochaine, Dr. Spooky. Aujourd'hui, on a cours de peinture avec Kango. On va peindre un superbe paysage rural avec un tracteur. On prend bien les mesures et on commence. Quel artiste tu fais, Kangoo? Maintenant, on colorie. Le rouge, c'est pour le tracteur. Et qu'est-ce qu'on pourrait peindre en jaune? C'est ça, le soleil. Et pour le ciel, un beau bleu. Où est-ce qu'on peut mettre du vert? C'est ça, sur les feuilles d'arbres. Et il y a autre chose. L'herbe. Oups, on n'a plus de peinture verte. Réfléchissons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ah, si on prend du bleu et du jaune, on mélange bien, on obtient du vert. Maintenant, on peut finir de peindre l'herbe. Magnifique ce tableau, Kangoo. Comme le soleil brille. Quoi? La balle s'est transformée en boule de neige? Excusez-nous, Kit, mais reconnais que c'est drôle. Que se passe-t-il?
tremblement de terre. C'est un robot gigantesque, commandé par le docteur Spooky. Le climat change, tout est gelé. Allez les gars, au laboratoire. Découvrons ce qui se passe. Le robot est ici. Regardez, il y a un levier dans son dos. Et si vous le baissez, le robot s'éteindra. Très bien, Kit. C'est l'heure des transformations. Monkey, Cathy, équipe Super Zoo, le pouvoir est à vous. Monkey est prêt. Haha, ça va faire une boule de neige géante. C'est une boule parfaite. Prépare-toi, Docteur Spooky. Allez, Monkey. Lance. En plein dans la tête. Prends ça, Docteur Spooky. Bravo. Allez, Cathy, à quoi de jouer? Tu dois éteindre le robot. Doucement, c'est dangereux. Oh non! Le robot nettoie le viseur. Attention, Cathy! Non! Que tu es méchant, Docteur Spooky. Cathy est là. Elle a désactivé le robot. Nous t'avons encore vaincu, Docteur Spooky. Équipe Super Zoo, le pouvoir est à vous. Ah, et maintenant, Docteur Spooky, on se reverra.